Alors bonjour tout le monde. Bah voilà, là je suis pas trop bien coiffé parce que on arrive aux îles Canaries. C'est quoi le rapport entre ta coiffure et les îles Canaries? Dis bonjour. 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 Alors Loulou a loué une voiture, hein. Il sait même pas comment on la conduit. On va bien rigoler encore. Il est loin l'hôtel. 2h45 de voiture. Ah non. Déjà j'étais dans une autre dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. Faut pas déconner. Mais ma musique à boire un peu. On vient d'arriver à l'hôtel, il y a déjà des problèmes. J'ai pas pris mon maillot de bain. Et puis je suis tombé du lit. T'es tombé du lit? On a vu que de l'eau à midi, hein. Ouais. Je me suis mis dans le lit, mais comme j'ai fermé les rideaux, c'était tout noir. Et je sais pas comment j'ai fait, j'ai roulé par terre. J'ai cru que j'étais au milieu, mais non. Mais ça, tu t'es fait mal? Ah ouais, ça fait mal. Il paraît que sur cette île, il y a un volcan. Un volcan qui met de la lave? Oui, oui. Il s'est jamais réveillé, ce volcan? Mais non, il est comme toi, il dort tout le temps. Ça existe pas l'île des Canaries? Si. Mais c'est où? Bah c'est là où on est, en Espagne. Je comprends rien du tout. Bah pourquoi on a mis 4 heures d'avion si on est en Espagne? Ah oui, et au fait l'eau n'est pas potable. Faut pas que je boive de l'eau du robinet? Oui. Mais pour se laver les dents, on fait comment? Moi je me lave pas les dents cette semaine. Et pour se laver alors? Je me lave pas non plus. C'est incroyable. Ah non, commence pas à faire le con. Oh putain. Mais je vais dégueuler. Tu sais que j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre autant. Ta gueule. Bon, tu peux prendre ça s'il te plaît, ça fait mal au bras. Filme un peu, ça te fera du bien. Je suis pas cinématographique, moi. T'aimes bien les chansons espagnoles? Oh ouais. Je sens qu'on va mettre des heures à trouver ce maillot. What is your size? 258Z. C'est pas des vrais? Non, non. Grande taille. Gracias, muchacho. Viens, on va acheter de l'eau. Il y a de l'eau dans le frigidaire. Mais c'est 3 euros la bouteille à chaque fois. Oh, terreur. Comment tu me parles? Ça va pas ou quoi? Attends, je te fous ça dans la gueule. J'ai le droit de mater, non? Oh, quelle colasse encore. Quoi? Eh ben, j'ai perdu la carte de la chambre. Ça doit être dans ton sac, comme d'hab. Allez, dans 2 secondes, elle la retrouve. Ah oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, parce que j'aime bien. Rouge sur rouge, ça va pas ensemble. Toi, tu t'habilles comme un dieu. Alors, ça, c'est pas chic. Tu veux bien prendre le bout de drap là-bas et le mettre là-bas, s'il te plaît? Oui, chef. Et arrête de filmer parce qu'on en a ras le cul. T'en as marre qu'on filme? On arrête les vidéos? Ah non, Loulou. Parce qu'il faut que les gens soient heureux quand même. Bonne nuit, Loulou. 20 minutes later. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu mets tes dents? Il y a la grosse bête qui était dans mon lit. Et c'est des pattes volues, hein. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais quelque chose sur moi, donc j'ai allumé la lumière. Puis j'ai vu qu'elle courait vite dans le lit. Mais qui? La bête. C'est pas un cafard, ça, le loup? Si, c'est sûrement un cafard. Ah! Non, non, c'est pas un cafard, t'inquiète pas. Ah! C'est une fourmi. Appelle la réception parce que. Ah, j'ai peur. Peur! Mais c'est pas grave, tu l'as tué. Ah non, mais il y en a peut-être d'autres. Mais non, on s'en fout, c'est une bête. Ah bah non, non, on s'en fout pas. C'est quoi ça? Ça, c'est quand j'ai creusé la bête. Donc il y avait plein de merde dedans. Tu me donnes ta chambre. Non, mais la bête est morte. Elle est peut-être morte, elle a peut-être fait des petits. La chambre, combien c'est? Oui, bonjour madame, française. Oui, j'ai trouvé une bête dans le lit, grosse bête. Trouver une grosse bête dans le lit. Une bête. Je l'ai écrasée. Pour le matin, on peut nettoyer votre chambre. Oh oui, madame. Parce que j'ai mis la bête sur la table de nuit. À Toto. Bah, ils vont changer de chambre. Tu lui as dit quoi, à Toto? À bientôt, je dis. Je peux pas rester ici. C'est une mini-bête. Une mini-bête, c'est un cafard. Tu fais 800 fois sa taille. Elle aurait pu me piquer ou rentrer dans mes affaires. Au pire, rentrer dans mes oreilles. Et ça court vite. Hein. Ça tombe toujours sur moi. Putain, cafard, je suis sûr. Elle courait comment, la bête? Elle courait comme ça? T'as changé de chambre pour une bête qui fait cette taille. Oh, comme ça. Allez, crosse-toi. Bonne nuit, à demain 10h. Ouais. Tu sauras retrouver ta chambre, là? Non, je suis sûr que c'est un cafard. Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? C'est moi, j'étais malade en bif. J'ai eu un gros traumatiste. Un quoi? Un gros traumatisme. Il est 2h du mat, faut aller dormir là. C'est bon, ta copine? Elle est là. Je la vois pas. Allez, viens chérie, viens dire bonjour à Daniel. Non, non, je veux pas, c'est une salope. Oh. Bon allez, bonne nuit. Oui, je t'en manque. Ah, bisous, Loulou. Et on va se rembourser, hein. Merde. C'est pas raccroché. Oh. Merde, putain. Bon allez, bonne nuit. J'ai l'impression qu'il y avait plein de bêtes sur moi. T'es complètement taré. Je l'ai pas invité la bête dans mon lit, moi. Elle s'est invitée toute seule. Et je l'ai tuée. J'aime pas tous les animaux, mais là, j'ai tellement eu peur. J'ai un petit cul, c'est vrai, mais j'ai un gros estomac. Et pourtant, demande à Loulou. Hein. Est-ce que je mange beaucoup, Loulou? Tu manges beaucoup. Montre ce qu'il y a dans ton sac. Ah, c'est Arthur qui a mangé la moitié. Hein. Bon, on fait quoi aujourd'hui? On va aller voir la mer. Ah, j'ai tout ça dans mes pieds. C'est normal, on est sur une plage. On est à la mer ce matin. Froide. Et demain on va faire du bateau, on va aller voir des dauphins, hein. On peut se faire écraser, y a pas de feu ici. Faut que je trouve un short, ouais. Faut que je trouve un short. Bah j'aurais trouvé un short. On a compris. Bon, on va où? Je sais pas, y a un magasin de shorts. Alors ça c'est trop petit. Il est trop petit. Oh, les lunettes de papa, ils sont où? Là.
ça c'est des Hermès, nous. Des Hermès à 23,99€. Ça se voit pas. On fait que du shopping, là. Et alors, j'ai le droit de faire du shopping avec toi? Oui, mais moi, ça me fait chier. Ah bon? Je peux regarder quand même. Oh, celui-là, alors, ouais. Putain, on a rien foutu aujourd'hui. Loulou, j'ai assez de travail dans ma vie, moi. Et tu sais que s'occuper de toi, c'est pas un travail facile, hein. Quand faut se réveiller à 2h du matin parce qu'il y a un petit cafard qui t'agresse. J'étais dans une angoisse totale, t'as bien vu, hein. Et tu sais, ça m'a travaillé d'avoir cette petite bête, hein. Parce qu'elle a dû souffrir quand même. T'as pas, figure-toi qu'elle serait rentrée dans mon oreille ou dans ma bouche. Là, j'aurais été morte. Mais tu veux pas changer de disque? On va se baigner? 5 minutes. On va se baigner? Je suis pas ta copine, je suis pas ta fiancée, je suis pas ta femme, je suis. Ton père. Oui, mais on va se baigner? Non. On va pas se baigner? Non, on va se baigner. Ah, mais tu veux te baigner? Oui. Oh, ah la vache. Oh putain. Oh, elle est froide. Elle est salée? Elle est salée, c'est vrai. Fais voir. Oh, moi, cette piscine salée, c'est trop bien. C'est comme si on allait à la mer. Bon, allez, plonge, là, j'ai... Oh, ferme ta gueule, hein. Oh non, non, je ne supporte plus ces insultes. Je m'en vais, Daniel. Va-t'en de là. Mais j'ai le droit de me baigner, quand même. Va-t'en. Me touche pas, hein. Je te préviens. Va-t'en. Je peux être là, quand même. Oh, oh. Je vais prendre sur mes épaules. Loulou, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais panique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, un peu d'eau? Non, merci. Pourquoi tu veux pas d'eau? Putain, va te trouver, gonzesse. Ça va, Loulou? J'ai sauvé une bête, viens voir. Pourquoi tu l'as pas tuée? Ah non, je tue plus. Elle est partie. Une petite bête qui était dans mon lit, elle était grosse comme ça. Sur le balcon, mais je l'ai sauvée parce qu'elle était sous le dos. Mais elle était... Aujourd'hui, on fait du bateau, hein. On fait du bateau, j'espère qu'il n'y aura pas de vent, Loulou. Ah bah, s'il y a du vent, on coule, c'est pas grave. Ah non, je vais pas lâcher. Tu connais tes fables de La Fontaine? La cigale ayant chanté tout l'été, regarda la fourmi. Bonjour, cousine. Ah, mais je ne suis pas ta cousine, disait la fourmi. Toi, tu es une grosse feignasse. Qu'as-tu fait pour l'hiver? Oh, bah, je n'ai rien fait. J'ai chanté tout l'été. Et bah, vu que tu as chanté tout l'été, et bah, l'hiver, tu n'auras rien à manger. C'est bien, hein. Avec ma robe bleue, ça serait bien, ça. Non. Si. C'est fou de tomber dans tous les attrape-touristes. Oui, et bah, j'ai le droit d'escater mon argent. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais toi, t'en as rien à foutre parce que bon, la fin est proche. Je m'ennuie de soleil. On s'en fout, ton chat de merde. Me dispute pas, Loulou. Ça, non, mais non, ça, Daniel. Mais oui. T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? T'as pas racheté un truc? Mais oui. Toi, regarde comment t'es sapé. Alors, ça, je te permets pas, par contre. T'es sapé comme un gueux. S'il y a un gueux parmi nous, c'est bien toi. Ma grand-mère avait une ferme. Ouais. J'ai tri les vaches. Ta grand-mère Léoncie? Oui. Attention, c'est ma famille. Hello? Ah. Ils sont pas aimables, les espagnols. Qu'est-ce que tu penses de la conjoncture économique actuelle? C'est grave. Daniel, faut vraiment que t'arrêtes de taper tous les mecs de la côte. Hein. Oh! Oh là 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 là! Oh merde, bah vous êtes français! Mais c'est pas vrai, c'est un menteur, lui! Ça fait rien, faut en profiter, les yeux, c'est pour quoi faire? Non, ah mais bah, ouais, c'est pas qu'avec non, les c'est... yeux qu'elle touche! Oh! Il va prendre du tard dans la gueule! Oh, regarde, un hippie! Aïe! Bah, j'aime bien les hippies. Eux, au moins, ils ont pas de maison. Oh, quelle chance! Et ils se lavent pas non plus? Si, ils se lavent! Non, je crois pas. Ils se lavent dans la mer! Ah, bah oui, ils se lavent pas, quoi! Ouais. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. On n'a qu'une vie dans la vie, il faut pas se presser. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé! C'est bizarre quand même. C'est pas les bancs comme chez nous. Je te donne deux animaux, tu fais une fable dessus. Le crocodile et l'éléphant. L'éléphant qui sortait de sa jungle avait tellement soif qu'il aperçut une petite rivière. Mais il n'a pas vu le crocodile qui était caché. Le crocodile arriva. Elle lui mangea sa trompe. Le pauvre éléphant, eh ben sa maman l'a cherché, elle est rentrée dans l'eau, elle a tué le crocodile avec ses pattes. Bien fait pour ta gueule, crocodile de merde. C'est triste comme fable. Oh ouais. Mais oh c'est ouais. Beau en tout cas. C'est beau, hein. Genre ah, tu vas fumer. Mais ta gueule, dis pas ça devant les gens. Ah pardon. Hello. Je pense que je regarde tous les mecs, moi. Pas trop serré, le loup, pas trop serré. C'est bien d'avoir quelqu'un qui... Ouais, un esclave. Pas d'esclave. Ah mais si, ça c'est de l'esclavagisme. Non. Oh, je mange pas, je suis une grosse patate. T'es pas une grosse patate? Si, mais regarde. Mais non, mais pas du tout, t'es une petite potatose. Ah non, j'ai assez marché. Hein. Il veut me faire marcher tout le temps, j'en ai marre. S'en fout, il a des grandes pattes, lui. Alors là, on va aller faire du bateau. T'es pas attaché? Oh merde, oh, j'aime pas être attaché. Pousse-moi un peu. T'arrives pas à sortir? Tu m'attends là, hein? Ouais. La porte! Putain, mais quel égoïste! Incroyable! Hello, bonjour tout le monde, bonjour. Pourquoi ils se mettent en haut, les vieux, là? Bah, ils ont le droit. Bah oui, mais ils ont pris toutes les places en haut, eux. Ils ont qu'à descendre, les vieux, là. Tu peux arrêter de gueuler? Il fait un temps de merde. On a froid, putain. Ah, c'est les baleines! Y'a là. Oh, regarde, il y en a là-bas. Ah, oh, ils sont grosses, hein. Prends les photos, Loulou. C'est quand même pour la nature. Ah! Oh non, mais moi je bouffe pas s'il faut que je fasse la queue. J'en ai marre. Tu voulais doubler? Oh bah j'ai 69 ans, hein. Bourré comme tout. C'est que des becs saouls. Je pense qu'il a deux doigts de dégueuler. Oh non, y'a pas de. Bonjour. Bonjour. Regarde des poissons. Il y en a au moins 1 milliard là. Ça s'appelle un banc de poissons. C'est eux qui font des bulles. Mais comment ils dorment? C'est interminable l'excursion. Il fait moins 200 degrés. Le bateau c'est un EHPAD. À la nôtre, hein. C'est du miel, hein, les enfants. Oui, bien sûr.
En fait, vous voyez, j'en pouvais plus ce bateau. S'il te plaît, ouvre-moi. Tu peux m'ouvrir, ma chérie? Ouvre. Bah, tu peux le faire toi-même. Et je fais comment? Je suis sûr que tu peux y arriver, Daniel. T'as mis ta ceinture? Non, je peux pas mettre sa ceinture avec ça. Eh ben, on a passé une bonne journée quand même, hein. Oh la putain, le dodan, je l'ai pas vu. Et si un jour ta femme est enceinte, fais bien gaffe, hein. Mais t'as été enceinte, toi, déjà? Oui. Ça veut dire que t'as déjà fait l'amour? Oui. Attends. Ben forcément. Avec qui? Avec mon mari. Ah, ça me dégoûte. Ah non, ça me dégoûte. Lou, arrête, parce qu'on va se faire... Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Il arrête en plein milieu de la route. C'est bon, j'ai pris l'air, ça va mieux. Non, Philippe. Mais attends, mais vous l'avez fait combien de fois? Pendant 18 ans. Oh putain, ça... Enfin, je vous dis qu'il est pas normal. Je vais l'emmener voir un psycho. Putain, démarrage en côte, j'aime pas. Tu n'aimes jamais rien. Putain, si je savais conduire, je prendrais le volant. Et pourquoi tu sais pas conduire? Parce que mon mari n'a jamais voulu que je passe au permis. Et pourquoi il a jamais voulu s'enculer? Parce que il disait que les femmes au volant, c'était la mort. Ouais, c'est pas faux. Et... Oh, dodan! Oh, ça fait mal, putain! C'est vrai que quand t'approches la centaine, ça doit faire mal. Et je voudrais te dire quelque chose, et je le dis pas. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Que j'ai une petite bite? Est-ce que tu veux klaxonner? Oui. C'est drôle, hein? Ouais, c'est bien. Moi, je trouve qu'on a qu'une vie, il faut en profiter. Madame, vous êtes arrivée. Allez, moi, je vais me coucher. Bah, et oh, bonne oh, nuit, oh, la vieille. À demain. J'ai passé une journée sur un bateau à me faire chier. Ils m'ont donné du chou. J'étais aux toilettes, dans le bateau. Non, mais Daniel, les gens s'en foutent de ça. Ah bon? Plus on vieillit, plus on a du mal à digérer des aliments. Vous me le direz dans vos commentaires. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ma carte bancaire. Je te dis que ma carte bancaire, je l'ai oubliée, Lou. Dans deux secondes, tu vas la trouver. Ça va être insupportable. Je te dis que j'ai pas ma... Ah oui, elle est là. À tout à l'heure. Quoi? J'ai mal au ventre. Oui, mais j'ai oublié le micro. Ah, c'est à mon papa les lunettes. Ah bah, ok. Comme ça, elle est avec moi, là. Ah, trop chou. Bien dormi? Ah, oh, ouais, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé seulement une fois à 5 heures pour faire pipi. C'est intéressant. Bon, viens, parce que moi, j'ai faim. Mais t'as tout le temps faim. Alors, c'est parti pour la démonstration du volcan. La démonstration? Bah oui. C'est quoi? Je sais pas, on va aller voir le volcan. L'ascension, tu voulais dire? L'ascension du volcan. Et tu te rends compte, si elle est rentrée en réaction, et bah tout ça, ça serait balayé. Closette. Ça veut dire que c'est fermé. Il fait très froid, hein. Mais pourquoi t'as pas pris de pull? Je sais pas. Oh, regarde! Gars, il y en a qui ont fait ça. Oh merde. Mais pourquoi tu l'as cassé? Oh merde, je l'ai cassé. Ah bah, refais-le, hein. Ah! Ah! Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il est con! Aïe, aïe, aïe! Tu ferais pas un peu de cinéma? Et c'est moi qui a fait ça. Fais voir. Regardez. C'est beau. C'est beau, mais c'est de la pierre. C'est pas de l'architecture. Tu viens, on va voir là-bas? Non, on voit que des pierres. Vas-y, toi. Va voir les cailloux pour voir si j'y suis. J'ai reçu le caillou sur le pied. La prochaine fois, je le fous en plein dans la gueule. Ah bah, c'est sympa. Ta ceinture, là on est à 1450 mètres. On est à 1450 mètres. Je viens de le dire. On ira tous à la montagne, On monte à la montagne. Bon, ferme ta gueule. Loulou va avoir le coup du lapin, parce que si une voiture arrive derrière, on est dans la merde. Mais regarde comment c'est magnifique. C'est très beau, mais je vais le faire. Donc la lave, elle sortait pas le trou là, non? On dirait du feu. Bah, c'est un volcan en même temps. Hein. Mais ça descend dans la mer. La lave, non? Ah si. J'ai vu des films. Mais des films, c'est pas toujours la vérité, hein. Si, parce que j'ai vu aussi des reportages. Mais qu'est-ce qui caille? Tu veux pas mon pull? Je peux pas le mettre, il est trop petit. Il est pas trop petit? Je peux pas. Voilà. Il est magnifique ce pull sur toi. Bonjour madame. Ouvre. Et pourquoi t'as enlevé tes dents? J'avais un truc dans les dents. Qu'est-ce que t'as pensé du volcan, Daniel? Dis-moi. Il y avait de la lave. Vous avez vu, on est au-dessus des nuages. C'est fou. Regardez. Hein. Là, on descend de la montagne. On descend de la montagne, au chômage. Allez, toutes les vieilles, les mains en l'air. Est-ce qu'il y a des cougars dans la salle? Ouais. Juste un petit truc. Quand on était au volcan, à un moment, je suis parti tout seul. Tu avais encore le micro sur toi. Que tu peux m'expliquer ça? Viens, putain, mais il fait chier, lui. Bah, je t'appelais. Est-ce que tu veux présenter tes excuses? Ah non, je présente pas d'excuses. Jamais je mets le genou de voir armé. On m'a déjà accroché les couilles pendant 18 ans. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout? Putain, elle a pas honte, hein. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais du sport. Oh.